Un artiste devint un autre artiste. Cartier-Bresson aimait la peinture, et ça se voit dans ses photos. Il redessine le monde, redéfinit les angles, les perspectives. Il nous en fait voir sans aucune couleur. Ici, c'est un Chagall pensif, concentré. Ses yeux ne regardent pas l'objectif. Nous sommes à l'ombre d'un arbre avec l'un des plus grands peintres de l'histoire et tout semble normal. Et cette femme, moins connue que Chagall, mais tout aussi fascinante, Cartier-Bresson s'amuse du contraste entre le peinture murale à l'arrière-plan et elle. Deux femmes, l'une n'a pas de yeux et l'autre désaplisée. L'une est jeune et a la taille fine et l'autre pas. Le mouvement délicat de sa main nous laisse imaginer que cette femme sur la peinture murale et elle sont la même personne. Tu peux voir que ce n'est pas de la moquerie. Au contraire, Cartier-Bresson met en valeur sa beauté passée et présente. Et lui, là, il s'est endormi pendant qu'il surveillait son stand de fruits au marché. De profil, la bouche ouverte, casquette vissée sur la tête, il est plongé dans sa main et dans son sommeil. Son avatar mural, lui, il est bien éveillé. Regarde un peu, les yeux grands ouverts. Cartier-Bresson, avec son œil amusé, nous dit que le stand de fruits est bien surveillé finalement. Le marchand, lui, il peut continuer à faire dodo. En parlant de dodo, cette femme-là, allongée et raide comme sa canne, Cartier-Bresson, un peu comme le faisait Cézanne, utilise les formes géométriques pour raconter ses photos. Cette femme, coiffée de son chapeau très chic, est seule dans le champ. On ne voit rien d'autre que des chaises, ce banc sur lequel elle est posée, et cette canne qui lui sert de repose-pied. Elle est aussi sèche et raide que le bois qui l'entoure et la cadre. On a envie d'aller la voir et de lui dire « Détendez-vous, madame, tout va bien, tout le monde est déjà parti. » Alors que lui derrière son rideau, on se demande bien à quoi il ressemble. Ou plutôt non, on préfère imaginer qu'il a la même tête que ce rideau qui pend. On imagine même que c'est ce qu'il lit qui lui a changé sa tête. Cartier-Bresson a fait de cet homme avec son pain sous le bras un monstre de foire et nous, on est là à l'observer, à moitié amusé, à moitié effrayé. Pauvre lui, pauvre nous. T'as raison, monstre de foire, c'est le bon terme. Regarde celui-là qui traverse la rue d'Alicia dans le 14e arrondissement. Il se protège d'une pluie, il devient l'homme, son cou. Tous les éléments sont là, les reflets de la pluie sur le sol, le passage piéton et pointillé, les géométries au service de l'objectif et de sa poésie. Le tronc d'arbre au premier plan nu dans le repère de la perspective, nu en l'automne de l'autre côté de la rue, pendant qu'il essaie de se mettre à l'abri de la pluie mais pas des regards. Alors celle-ci, je dois dire que c'est ma préférée. Va savoir pourquoi. Elle me fascine depuis la première fois que je l'ai vue. Tu la trouves pas fascinante? Ce mouvement circulaire, ces marches, ce vélo qui disparaît. On a juste envie
de dévaler ses marches et de le suivre. Le truc, c'est que même si j'ai jamais eu le vertige, ça me rappelle ce rêve que tout le monde fait où on tombe dans l'escalier, donc on est pris à la fois par la peur et la curiosité. Un peu comme Alice quand elle veut suivre le lapin. Alors que la bomba, pas de lapin, mais plutôt une sorcière, regarde le visage grave et fermé de tout le monde, sauf celui de cette femme. Regarde un peu ce regard, ce mouvement de bouche. Cartier Bresson l'a prise au moment parfait, il lui a volé. L'histoire derrière ce cliché, c'est que Cartier Bresson a suivi les Américains en juin 1945 en Allemagne. Et cette femme-là a dénoncé celle-ci à la Gestapo. Du coup, c'est l'heure de compte et la photo est prise. Et tu vois un peu qui c'est ou pas? C'est Jean-Paul Sartre quand même, sur le pont des Arts. Le boulevard Saint-Germain est derrière lui. Sa pipe est dans le prolongement du pont. La Monnaie de Paris à l'arrière-plan et dans la brume, on distinguait à peine le bâtiment. Et ce regard, on le trouverait presque beau, un œil dans chaque direction, mais pourtant un regard certain, fort. Mais est-ce qu'il sait que nous, on le regarde? Et là, 1935, non, même 1935, tu vois un peu l'assurance dans le regard, la fierté dans les yeux, et on est en plein mouvement des droits civiques. C'est quand même incroyable, cette modernité. Cartier-Bresson a saisi de ce couple une force qui traverse les époques. Si je ne te donnais pas la date, tu pourrais croire que cette photo de Joe le trompettiste et May, sa femme, date aujourd'hui. C'est ça aussi la force de Cartier-Bresson. Ses sujets sont jamais dépassés. Et ici, comme si Cartier-Bresson avait mis en scène lui-même ses photos. Tu y es, tu vois tous ces gens, ils observent le couronnement de George VI. La scène date de 1938 à Londres, en plein Trafalgar Square. Tout le monde est concentré sur l'événement, sauf trois personnes. D'abord, lui là, au sol. Il nous fait penser que plutôt il était là-haut avec ses amis et que, plouf, il est tombé du sommeil et il est arrivé au sol. Et puis ces deux-là, cette femme et ce garçon, ne regardent pas dans la même direction que la foule, mais ils observent bien l'œil de Cartier-Bresson. D'ailleurs, en voilà un autre qui regarde droit dans son œil. C'est Albert Camus. Son col relevé, cigarette au coin, regard amusé et sourire malin. Qui pourrait deviner que cette photo a été prise en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale? Cette photo raconte presque autant que les romans de Camus. La beauté troublante de l'auteur est en même temps un reflet de son âme quand on devine tourmentée. Je ne sais pas si c'est vrai que l'âme est visible dans les yeux, mais ici, c'est complètement le cas. Encore un autre regard troublant, celui de Saint Beckett. Non, mais regarde un peu cette intensité, on dirait que ses yeux regardent plus vers l'intérieur que l'extérieur.
Cartier-Bresson fit de nous des invités privilégiés en aidant l'intimité de Beckett. On a presque peur de le déranger dans ses pensées. Il magnifie le regarda de ses sujets avec le sien. C'est fou, non? Complètement fou. Tiens, regarde. C'est l'instrument de son regard, justement. Tu réalises quand même que le gars devait vivre avec son appareil de photo. Pour être certain de capturer le bon sujet au bon moment, ou le bon moment au bon sujet. Là, c'est Truman Capote, et on dirait que la photo a été prise hier. Mais quelle modernité! C'est incroyable! Francis Bacon, en réflexion, en duo ou duel de regard, un œil face à l'autre. Les hommes se comprennent, se font confiance. La tasse de café est peut-être déjà vide. Ils ont parlé avant cette photo, c'est sûr. Bacon se confie. Sur son art peut-être, sur ses démons. On ne sait pas, mais on est là, avec eux, chez Bacon. On y est, à l'aise. En parlant de confiance, la C collecte avec sa gouvernante de toujours, sa femme de confiance. Collecte regarde droit vers Cartier-Bresson. Avec cette élégance intemporelle. C'est chic à la française, distinguée et dans la maîtrise, alors que la femme derrière surveille, s'inquiète. Cartier-Bresson, lui, s'amuse de la situation et joue avec son objectif pour nous rencontrer la relation entre les deux femmes. Leur bêtement à point les confond dans le même espace. Ils sont liés par les liens sacrés du point et plus encore. Il aimait exposer les relations, celles qui n'ont pas besoin de mots. Un regard d'enfant sous des enfants. Ici, la naïveté d'un jeune enfant s'imagina dans les nuages. L'autre, on imagine bien qu'il n'a pas envie d'être là. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas envie de faire la nounou. Il veut voler seul. Au mieux encore, ses avions, ses musiques n'ont plus d'effet sur lui. Il est grand maintenant. Ça ne l'amuse plus. Et il est jalouse de son besoin d'être aussi content d'être à bord d'un avion qui ne décollera jamais vraiment et qui tourne en ronde. Tourner en rond? Moi, je tournais en rond pour cette photo. Je suis allée au quai Saint-Bernard dans le 5e. Et impossible de trouver cet homme. J'ai cherché pendant plus d'une heure et rien. Comment est-ce que Cartier-Bresson a réussi à prendre cette photo? Il ne retouchait jamais ses photos? À montage? Non, impossible, pas lui. Alors comment? En fait, c'est peut-être ça son secret. Prendre des lieux, des personnes, des moments que le monde connaît, mais d'une manière telle qu'on redécouvre tout avec sa vision du monde. Il ne prend pas que des moments en photo, il compose pour nous raconter quelque chose. Mais oui, c'est exactement ça. Ici, c'est la région du Cachemire en Inde, avec des détails qu'il nous invite à observer. Ses plis sur les vêtements deviennent sous son œil des lignes verticales qui viennent casser l'horizon grandiose de l'art moderne. La position des mains de cette femme nous invite à admirer la beauté du paysage, alors les deux là, à droite, admirent, mais pas lui là. Qu'on devine être un enfant, son corps est tourné vers elle, le visage caché par celle qui se montre le plus, elle. Elle regarde ce que nous, spectateurs, on regarde à premier plan. Cette femme à gauche se distinguait des autres par l'aspect plus sombre de sa tenue et de son regard. Elle a l'air tout aussi fascinée que nous devant la photo.
Tiens, encore une tête cachée. Là, c'est le regard de la femme qui raconte tout. Est-ce que Cartier-Bresson s'est même arrêté pour prendre cette photo? Je veux dire, c'est fou quand même. On dirait qu'il a le pouvoir de prévoir les scènes. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire là? Qu'est-ce qu'il essaie de nous raconter? Moi, je pense qu'il nous montre un corps à terre et cette réaction que tout le monde a déjà eue dans la rue. Cette compassion et cette peur en même temps de finir soi-même à terre, sans tête. Et nous voilà dans le rôle de ceux qui regardent celles qui regardent. En parlant de regarder, cette foule entière dont les yeux sont tournés vers cet homme, on ne le voit que de dos. On devine facilement l'aspect politique du rassemblement. Cartier-Bresson a trouvé l'angle parfait pour cette photo. Il capture la fascination plutôt que l'objet de la fascination. La foule nous regarde et nous on ne sait pas trop quoi penser de cette foule. On se demande, quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'elle attend de cet homme? Et cette foule-là à Taïwan, qu'est-ce qu'ils peuvent bien attendre? Ils forment cette incroyable masse humaine. On imagine bien qu'il n'y a rien de confortable à être là. Pourtant, on peut voir cet homme, que j'imagine Cartier-Bresson veut qu'on regarde. Il sourit, il est amusé par la situation, un peu comme on l'est quand on observe cette photo. Cartier-Bresson nous met dans la peau d'un de ses personnages. De cette manière, il nous transporte dans son univers, de la vraie photo immersive. Celle-ci, presque tout le monde regarde, même Staline derrière. On suit le mouvement poétique de l'objectif, de gauche vers la droite. On passe des danseurs, à ceux qui sont sur le point de danser, à celles qui veulent danser, et puis à ceux qui sont déjà ailleurs. À l'heure comme cette famille sur celle-ci, ils font une pause dans leur voyage, mais ils ont déjà le regard tourné vers le pré. Où est-ce qu'ils vont? Évidemment, Cartier-Bresson, ici, nous montre plus que le moment présent. Cet enfant a l'air de vouloir prendre le volant en regardant dans la même direction que ses grands-parents pendant que le reste de la famille pique-nique. Trois générations sur la même photo, un calme presque religieux avec une belle église en arrière-plan pour plus de sérénité. L'on regarde l'autre surveille et nous, on ne le trouve pas très discret. On est à Bruxelles, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de regarder, mais on s'amuse de la moustache supposée donner du sérieux au personnage, mais ses yeux d'enfant qui protègent son copain pendant une bêtise le trahissent. Puisque tu parlais des enfants, regarde celle-ci, on dirait qu'ils portent les problèmes du monde sur les épaules. Important, c'est l'ordre et grande monture. Cartier-Bresson nous invite et penseur qui s'est petit a déjà les problèmes des adultes.
Le regard du sol, le parapluie, est une comme une canne. Elle salua dans le vieux 20e en disant, c'est le seul, c'est par de Paris chic ici, il fait une pomme dans sa vie d'enfant, quartier brisant, tu comme de l'écoire dans liberté, gagnante de peuple, nous offrait sa vergeon des gavreaux des misérables. Et, enfin, une de mes photos préférées. Le sol d'Ungou inondé en 1932. Cette photo est d'une beauté et d'une magie incroyable. Cartier-Bresson capture un homme dans les airs. Ses pieds sont au-dessus d'un sol inondé. Et là, la question arrive. D'où est-ce qu'il a pris son appui avant de sauter? Où est-ce qu'il va atterrir? Il est complètement dans les airs, tellement que sur le reflet au sol. Il y a rien au-dessus de sa tête. On l'imagine dans les nuages dans notre monde. Et encore, un autre monde ici qui n'existe plus. C'est le quartier de Ménilmontant. Ici, encore, on est le spectateur des spectateurs. Des enfants jouent au football tout en bas. Puis, plus haut, trois jeunes dedans, allongés et qui observent le monde en bas. Ces voitures bien en ordre. Ces immeubles déjà vieux. Et puis nous, qui observons tout ce monde avec ce millefeuille de perspective. C'est toujours une question de perspective, regarde ici. Est-ce que cet homme-là, il sort, il entre? Où est l'intérieur? Où est l'extérieur? Les reflets, les ombres, la place des objets. Comme si Cartier-Bresson avait tout installé lui-même. D'ailleurs, dans cette photo, Cartier-Bresson, on le voit. Il est juste là. Et juste là, c'est Madame Coco Chanel, dans une posture pas du tout naturelle. Est-ce que Cartier-Bresson est en train de nous dire que Coco, comme ses produits, ne sont en fait que du semblant, qu'un masque qui cache d'autres choses, peut-être moins belles, moins chic, moins élégantes, peut-être, juste peut-être. Bon, on a bien compris que Henri Cartier-Bresson, il est fasciné par la peinture, il utilise même ses codes. C'est ironique quand on sait que beaucoup de grands peintres comme Picasso ont changé leur style par peur de la concurrence avec l'apparition de la photographie. Je pense que j'ai plus de questions maintenant qu'au début. Ces photos, c'est une vraie leçon qui nous apprend à observer les choses, encore, et à s'amuser de certaines, à s'interroger sur l'avant, sur l'après, et surtout sur le moment présent.